Oh, yeah.
Anna. De l'éviction des joueuses de Léopard U20 qui étaient logées dans un des hôtels de la capitale en attendant leur prime après leur prestation au Cameroun. Et à notre niveau, nous savons qu'au ministère des Sports, on avait déjà signé pour que ces vaillantes Léopardes soient libérées. À ma grande surprise, j'apprendrai aujourd'hui qu'elles venaient d'être chassées de l'hôtel où elles logeaient et qu'elles traînaient ici au siège de la fédération sans leur sac, leurs biens volés et tout ça. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux comme tout le monde et quelques amis journalistes m'ont alerté. Voilà pourquoi je me suis dit que je viens m'enquérir de la situation personnellement. Et voilà, nous sommes dans un monde des réseaux sociaux où tout peut se raconter. Alors j'ai voulu moi-même venir enquérir la situation. Et réellement, je trouve que ces enfants sont réellement chassés de l'hôtel où ils étaient logés. Et j'ai appelé ma collègue vice-ministre des Finances pour savoir l'évolution de leur dossier qui avait déjà été signé avant leur départ du Cameroun. Et il est question que demain, à la première heure, on voie à quel niveau leur dossier est bloqué, parce qu'au niveau du ministère des Finances, tout avait déjà été engagé. Il était juste question que ces enfants, ces filles reçoivent leur prime, même avant leur départ du Cameroun, parce que le traitement doit être équitable, que ce soit les seniors A, hommes, que ce soit les U20, filles ou garçons, ils sont tous joueurs ou joueuses congolais et congolaises, donc nous devons les traiter au même niveau. Mais s'il y a eu un petit retard au niveau du ministère des Finances ou au niveau du budget,
nous saurons quoi faire demain. Parce que là, il est déjà 9h passées du soir, on ne sait rien faire. Mais je suis venu en tant que père de famille parce que ces filles défendent le drapeau de la République démocratique du Congo. En tant que numéro un des sports, je suis le représentant du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le numéro un des sportifs congolais, qui ne voudrait pas entendre une seule seconde que ses enfants sont maltraités par manque de primes. Pendant que lui est en train de promouvoir le sport, il voudrait voir le sport à tous les niveaux aller de l'avant. C'est pourquoi je suis ici, pour calmer ses enfants, voir à quel niveau il y a eu l'incompréhension. Et je tiens encore par la même occasion à condamner toutes ces personnes qui ne s'occupent pas ou qui ne